Donc moi je suis Jean-Luc Terrat, directeur artistique des rencontres de la forme courte. Tout simplement, c'est un festival pluridisciplinaire de forme courte qui comporte de la danse, du théâtre, de la performance, de la musique et des installations. Et qui en général ont entre 3 et 5 formes par soirée. Donc en premier, nous avons FASM de la compagnie Libertivore, qui est une jeune compagnie qui présente un duo acrobatique au sol, qui est entre la danse et l'acrobatie. Il est trop tôt pour un titre, oui. En fait, l'idée, c'est qu'on leur a demandé un titre et ils n'avaient pas de titre. Donc ils ont trouvé ce titre-là, il est trop tôt pour un titre. Il n'y aura pas de tigre, voilà. Il n'y aura pas de lion, il n'y aura pas de fauve d'une manière générale parce que ça pue. Qui est un trio qui mélange le jonglage balle avec Martin Palis et un travail performance vocale et musicale. Donc c'est les disciplines, 3 disciplines confondues. Il n'y aura pas 9 massues, il n'y aura pas 12 cerceaux, voilà, il y aura 3 balles blanches. Bon écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser là. Et la troisième forme, c'est Dad is Dead de Mathieu Maffie Foundation, donc duo Arnaud Sori et Mathieu Despois, qui a été créé il y a 2 ans lors des rencontres de la forme courte à Boulazac, qui depuis fait son chemin puisqu'il y a une 50aine de dates, et qui va être repris en diptyque avec le manifeste, la création qu'il a créée aussi, et qui sera présenté entre autres au théâtre Sylvia Montfort à Paris en mois de mars. Et en plus, tu vois, je me demande pourquoi ça serait nécessairement à 6000 bornes qu'il faudrait aller refaire le monde. Moi, je pense que ça se joue déjà à une autre échelle, non ? Une toute autre sphère, avec le monde qui t'entoure, celui que t'as à portée de main, à commencer par ta cellule familiale, ton cercle d'amis, ton milieu professionnel. C'est quand même là où tu se joues, tu crois pas ? Bah, tu crois pas que tu peux faire les deux ? Je veux dire, t'occuper de ta mère tout en mangeant des bananes ? Ouais, je trouve que tu vas un peu vite, là, quand même. Oui, pardon. Bon, c'est des coups de cœur en fait. Moi, c'est des gens que je rencontre, donc il n'y a pas véritablement, c'est instinctif. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver sur chaque soirée. C'est surtout de pouvoir présenter des formes très contemporaines, hybrides, dérangeantes, en tous les cas, qui n'ont pas forcément droit de cité dans des structures qui sont à l'année, donc et qui n'ont pas beaucoup de visibilité en région. Et je trouve que c'est important de faire connaître aussi une autre forme artistique de ce qu'ont l'habitude de voir les gens. Merci. Tu feras attention avec le saucisson parce que je crois que la peau n'est pas en boyau.